قسما بالنافذات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشارقات نحن صرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا لم يكن يصغى لنا لما نطقنا فاتخذنا رنة البارود وزنا وعزفنا نغمة الرشاش لحنا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans Débat politique. À vous qui êtes appelés à nous juger, la déclaration du 1er novembre 1954 est un appel adressé au peuple soumis au code de l'indigénat, décimé par la misère, la pauvreté écrasée par l'ignorance, une déclaration qui a acté la naissance de l'action armée pour une Algérie libre et indépendante. Des rédacteurs des textes, Mohamed Bodiaf et Didouche Mourad, paix à leur âme, indiquaient « Nous considérons avant tout qu'après les décades de lutte, le mouvement national a atteint sa phase de réalisation ». C'est un journaliste, Mohamed El Aïchaoui, qui a écrit la déclaration du 1er novembre 1954 sous la dictée, comme on l'a indiqué à l'instant, de M. Mohamed Boudiaf et Mourad Didouche dans le magasin du tailleur et militant du Parti du Peuple Algérien, le PPA, Issa Kishida, dans la Casbah à Alger. Le tirage s'est fait à Iril Imoula, à Tizi Ouzou, où on peut toujours visiter et voir la machine à écrire qui a servi à l'impression du texte. Le lieu a été transformé en un musée. Pour en parler, décrypter la portée politique, sociale et culturelle de la déclaration du 1er novembre 1954, aussi bien au niveau interne qu'externe, nous avons avec nous le général-major à la retraite, directeur général du LINESG, l'Institut National des Études de Stratégie Globale, M. Abdelaziz Medjahed. Nous avons en ligne également avec nous l'historien Mohamed El Corso, qu'on va retenir pour quelques minutes pour des considérations de santé. Nous avons aussi au niveau du plateau M. Amazit Boukhalfa, journaliste et chercheur en histoire. Et à partir de Paris, nous avons Gamel Abina, analyste politique. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour madame et bonjour à l'Algérie tout entière. Alors le but clairement expliqué au peuple dans la déclaration du 1er novembre 1954, la restauration, une des premières décisions de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques, le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession. Je commence avec vous, monsieur Mohamed El Corso, vous m'entendez? Oui, oui, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à l'équipe qui est autour de vous et à tous les auditeurs algériens. Je leur souhaite, je nous souhaite une bonne fête. Au Rabbi Hafad Bled, Inch'Allah. Alors justement, la déclaration du 1er novembre 1954, elle a clairement acté l'acte de révolution pour l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie. Monsieur Mohamed El Corso. Tout à fait. Je commencerai par dire que c'était une césure, un tsunami, comme on dit actuellement. Mais en fin de compte, c'était un cheminement normal dans l'histoire tumultueuse de la résistance algérienne, de la guerre de résistance algérienne. Pour d'autres, c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je veux parler de l'administration coloniale, du gouvernement général algérien qui faisait la sourde oreille. Mais en fin de compte, c'était une remise en ordre, du désordre qui était induit par la guerre coloniale de 1830. C'était une remise en ordre du désordre institué pendant 132 années en Algérie, d'une guerre coloniale, d'une guerre sauvage, d'une guerre inhumaine. Maintenant, si vous voulez, excusez-moi, si vous voulez, à un autre point, cette déclaration n'est pas tombée du ciel.
cette déclaration, elle est en fin de compte le résultat d'une maturation longue, pensée, réfléchie, souterraine. Elle n'est pas l'effet d'un hasard. Si nous prenons le temps de la décrypter, elle fait le constat de toute la guerre anticoloniale qui a commencé en 1830 jusqu'au déclenchement de la lutte armée. Deuxièmement, elle fait une proposition, et c'est ça qui est extrêmement important et qu'il faut dire, une proposition à l'autre parti, hein, à l'occupant, hein, de venir s'asseoir autour de la table des négociations. De venir s'asseoir autour de la table des négociations pour économiser des vies humaines. Mais économiser des vies humaines n'avait aucun sens pour les généraux qui vont venir, pour l'administration coloniale, pour l'armada coloniale, car elle était chez elle. C'est comme ça qu'elle pensait. Elle était chez elle. L'Algérie n'était pas l'Algérie dont rêvaient les Algériens, mais c'était l'Algérie latine, hein, c'était l'Algérie française. C'est ça qui a fait que, bon, il y a eu cette sourde oreille, le refus d'entendre cet appel qui a été lancé par des gens responsables, par des jeunes, hein, moyenne d'âge 30 ans, mais des jeunes mûrs, hein, mais des jeunes mûrs qui avaient l'expérience dans la chair, dans cette chair meurtrie. Et c'est ainsi que nous allons retrouver par la suite, au lendemain de la restauration de l'indépendance, les éléments constitutifs, de l'État algérien. Donc, on peut dire que, en fin de compte, les éléments de la constitution algérienne par la suite, de 1962 jusqu'à maintenant, sont contenus dans la déclaration du 1er novembre 1954. Gloire à la révolution, gloire aux martyrs. Merci, Monsieur Mohamed El Corso. Alors, Monsieur Mohamed Amazit, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que Boukhalfa Amazit, ce que vient de déclarer à l'instant Monsieur Mohamed El Corso. C'est une déclaration qui n'est pas tombée du ciel. C'était l'ultime alternative pour la construction d'une Algérie souveraine et libre et indépendante. L'appel du 1er novembre, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, puisqu'il commence par vous qui êtes appelé à nous juger. Donc c'est un appel qui s'adresse au peuple algérien et qui s'adresse à la nation algérienne, au peuple algérien, mais aussi à tous ceux qui pouvaient témoigner, c'est-à-dire au monde entier, que quelque chose allait changer, non pas commencer en Algérie, mais changer, se radicaliser, les positions se radicalisent. Et la proclamation, enfin cet appel, est à la fois un rappel de tout ce qui a été dit auparavant, de toutes les luttes anciennes, et puis avec cette insistance, cette radicalisation qui va commencer à partir du moment où on s'adresse au peuple et on lui demande de nous juger. C'est un texte qui n'est pas suffisamment étudié, il faut le dire, qui n'est pas suffisamment appris, parce que ce texte qui est une continuité va lui-même donner naissance à toute la philosophie politique de l'Algérie depuis 1954, en rappelant bien entendu ce qui était auparavant. C'est-à-dire que, en fait, le 1er novembre, ce n'est pas un phénomène, et on ne le dira jamais assez, ce n'est pas un phénomène de génération spontanée. C'est la suite tout à fait logique de la lutte anticolonialiste entamée en 1830 et ensuite poursuivie à partir de 1932 sous la direction de l'émir Abdelkader, et par la suite, toutes les révoltes, toutes les résistances se feront autour de cet axe central, cet axe, ce pivot qu'a été la résistance de l'émir Abdelkader. Et il faut souligner aussi une chose, quand l'appel parle de restauration de l'État algérien, c'est-à-dire tel qu'il a été pensé,
au départ souhaité et voulu par l'émir Abdelkader. Alors, on est dans la restauration de l'État algérien. Monsieur Abdelaziz Medjahed, qui a vu, bien sûr, sa naissance antérieurement à la guerre de libération nationale, contrairement à ce que racontent les uns et les autres. Eh bien, il faut peut-être leur demander de consulter leur archive. L'archive, ils peuvent les trouver au Palais Bourbon, 1947. Et qu'ils doivent nous restituer. Non, non, déjà, qu'ils prennent connaissance de ce qui existe chez eux, après on va discuter la chose. L'intervention du docteur Lamine de Barine en 1947 au Palais Bourbon, c'est l'esprit de l'appel du 1er novembre. Le docteur Lamine de Barine, dans son intervention, qu'est-ce qu'il dit? L'Algérie est une nation. Elle a été une nation et a été souveraine. Seule l'agression de 1830 lui a fait perdre sa souveraineté. Ça, c'est le Palais Bourbon, 1947. Hein? Ça veut dire 7 ans avant 1954. Mais le docteur Lamine de Barine, quand il dit ça, mais 7 mois auparavant, il a été derrière la création de l'OSS, l'organisation spéciale. Ce qui fait l'esprit de l'OSS, qui est l'application du programme de l'étoile nord-africaine de 1927. La création d'une armée nationale est inscrite en 1927 dans le programme de l'étoile. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et si on veut comprendre et saisir l'ensemble de la portée de l'appel du 1er novembre, il faut aller vers la lettre de Ammar Emesh de 1945. C'est-à-dire le choc qui a été provoqué par les massacres, les génocides de 1945. Ammar Emesh a lancé un appel, il est d'actualité aujourd'hui. Il l'a été, il le reste toujours. Et nous n'oublions pas qu'Ammar Emesh, c'est l'un des fondateurs de l'étoile nord-africaine. Et si le programme de l'étoile de 1927, il est artisan, il est auteur. Ce qui fait, il faudrait peut-être aller chercher la profondeur de l'événement de 54. 54 n'est pas tombé du ciel, comme disait professeur Corso. Chaque génération, elle affronte son histoire et elle affronte sa mission. Soit elle l'accomplit, soit elle la trahit. Ceux de 54 et ceux des années 20 ont compris, ils ont assumé et ils ont préparé tout ce qui est venu par la suite. D'ailleurs, il y a une trajectoire historique de l'Algérie, depuis Massinissa. Vous avez Jugurta. La résistance, ça a duré combien d'années? 7 ans. Takfarina, ça a duré combien d'années? 7 ans. Il y a le 7-7 là qui revient toujours dans notre histoire, il faudrait peut-être déchiffrer. La préparation de 54, 7 ans, et l'éviction du colonialisme, 7 ans. 7, 7, 7, là, il faut décoder ce chiffre, et il faut toujours chercher à rendre hommage au véritable acteur. Alors justement, pour reprendre la déclaration de M. Boukhalfa Amazigh, l'appel du 1er novembre 1954 n'est en définitif qu'une résultante de la résistance algérienne qui a englobé le passé, c'est-à-dire la résistance des Algériens, le présent, c'est-à-dire l'instant T, le 1er novembre 1954, et à ce jour, elle est toujours en vigueur. Je crois que tous les textes qui ont suivi, enfin qui ont précédé et qui ont suivi ensuite, le texte qui explique et qui explicite de tous les non-dits en 1954 par l'appel, c'est la plateforme de la Soumam qui a été réfléchie également. Et ça va développer cette idée. Et surtout, la plateforme de la Soumam prend acte de la situation créée par l'insurrection généralisée du peuple algérien de novembre 1954, et
cette plateforme va développer davantage cette idée, cette perspective de la restauration d'un État. Mais de quel État il s'agit? Et il s'agit, et ça a été formulé par l'appel, et ça a été précisé par le Congrès, c'est une république algérienne démocratique et sociale. Tous les textes qui vont suivre, les différentes constitutions qui ont suivi, depuis celle de 1963, la charte nationale, tous les textes qui ont suivi vont prendre en compte cette dimension de république démocratique et sociale. Mais si je comprends bien, c'est un principe inaliénable qui demeure à ce jour. C'est une véritable constitution qui a inscrit le passé, le présent et le futur de l'Algérie. Oui, absolument. Jour, absolument. D'État républicain, démocratique et social. Et je ne vois pas, c'est-à-dire dans un futur très lointain, je ne vois pas quelqu'un ou une force qui peut remettre en cause le caractère social. C'est-à-dire que cette fameuse devise, parce qu'on oublie souvent de citer la devise, par le peuple et pour le peuple, c'est un acte de foi. Pas toujours. C'est un acte de foi. C'est la shahada républicaine. C'est la shahada républicaine des Algériens, par le peuple et pour le peuple. Et ça, on ne peut pas revenir sur ça. Et tous les responsables, c'est-à-dire, c'est bien simple, on peut faire lire l'éventail politique de l'Algérie de 1962 jusqu'à nos jours. Toutes les variantes qui ont été apportées, on reste toujours dans la pensée sociale de la République, toujours. Alors, Monsieur Abdelaziz Medjahed, l'appel du 1er novembre, c'est un véritable acte aussi démocratique qui a inscrit l'Algérie sur la voie, bien sûr, républicaine et sociale à la fois, puisque la première chose qui a été déclarée à vous qui êtes appelé à nous juger, c'est-à-dire en impliquant directement le peuple. Le peuple, c'est le socle de la nation. Madame, les 22, d'où ils sont sortis? Du peuple. Et c'est pas des dirigeants. D'ailleurs, l'appel du 1er novembre, les premiers à être condamnés, c'est les partis politiques. Avant de condamner le colonialisme, ils ont condamné nos Algériens qui étaient censés guider et orienter. Madame, une vision, on l'importe pas une vision. Une vision, c'est le fruit, on la puise de nos traditions, de notre culture, et de notre volonté de créer quelque chose. La démocratie, elle n'a pas été inventée avec en 54 ou avant 54. La démocratie, madame, dans notre mémoire ancienne, la solidarité, le respect de l'autre et quoi? La solidarité, qu'est-ce qu'elle est? S'il y a solidarité, ça veut dire qu'on n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui est marginalisé ou écarté. On le prend en charge. Ça, c'est dans la nature et les gènes des Algériens. Tuisa, madame, on n'a pas attendu le management pour apprendre qu'on doit travailler ensemble. La compétition, c'est quelque chose qui a été inventé les derniers temps. Même l'adocratie, madame, elle a existé chez nos ancêtres depuis Massinissa. Et c'est pour ça qu'on doit revenir toujours à nos ancêtres. Massinissa avait laissé une devise, l'Afrique aux Africains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'œuvre de l'Algérie d'aujourd'hui, et quand elle dévie l'Algérie, quand elle sort de la voie, elle provoque un rabaissement de l'Algérie. D'ailleurs, on l'a vu de 62 à aujourd'hui. Vous avez des vagues, Wayne, quand vous êtes dans l'axe, sur la trajectoire historique de l'Algérie. L'Algérie est en position haute. Quand elle dévie et quand elle dérive, elle descend au fin fond de...
de l'histoire. Et puis, bien sûr, vous avez également cette phrase qui est importante aujourd'hui, cette déclaration de Ben Mehdi, mettez la révolution dans la rue, elle sera bien sûr récupérée. Alors, vous avez pardon, le respect... Pardon, il faut jamais oublier compléter l'armée Ben Mehdi avec celle de Zéro Diouf. Ce peuple est un grand peuple. Sa disponibilité est permanente, sa mobilisation est sans limite, a besoin d'une direction qui le mérite. Il faut mériter ce peuple. Il faut mériter ce peuple pour le guider à bon port. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous par rapport à ce qu'on a parlé à l'instant de la démocratie, de cet esprit, bien sûr, d'implication de la population dans ce qu'il allait advenir de l'Algérie indépendante et souveraine avec la déclaration et l'appel du 1er novembre 1954. Puis, vous avez parmi les résolutions et parmi, c'est-à-dire les chantiers, c'est le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession. Oui, c'était important, c'est-à-dire que les Algériens n'ont exclu personne. Les responsables, ceux qui, les auteurs de cet appel n'ont exclu personne. Contrairement à ce qui a été rapporté. Quelle que soit l'origine, il n'y a pas eu d'exclusion. Là, comme il n'y a pas d'exclusivisme dans cet appel. On ne s'adresse pas qu'aux Algériens musulmans de confession et de telle ethnie et précisément de telle religion, non. Cela s'adresse à tous les habitants de ce pays. Et c'est là que, parce que on devinait pratiquement, parce que l'arrière-pensée, la conception de l'Algérie vue par les colonialistes, c'était ce que dira De Gaulle quand il va faire sa première déclaration concernant l'autodétermination. Il dira qu'est-ce que l'Algérie, c'est-à-dire en substance, c'est une poussière d'ethnie. Il y a des Mozabites, des Kabyles, des Chaouis. D'ailleurs, il a cité un peu toute cette richesse en fait qui n'est pas... C'est le même substrat. Lié par des éléments aussi importants que la culture, la civilisation et la religion, bien entendu, tout ce grand ensemble. Et il dira cela parce que il pensait, c'est-à-dire que l'insurrection allait écarter les uns, n'appeler que d'autres. Il faut se souvenir d'un texte qui a été fait, qui n'avait pas été approuvé par le MTLD. C'était le texte « Vive l'Algérie » qui a été initié. On a accusé ces initiateurs de barbarisme, de travail fractionnel. Alors que ce texte, justement, parlait de l'Algérie comme un ensemble. C'est-à-dire, en fait, tous ceux qui veulent être Algériens, tous ceux qui se sentent Algériens, tous ceux qui se sentent concernés par le devenir et l'avenir de ce pays. Et c'est à cela que c'est adressé. Il y a eu des appels incessants et pressants. Il y a eu l'appel de Abin aux Juifs, leur demandant de choisir. En 1962, il y a eu également l'appel qui a été fait aux Juifs de se démarquer du travail fractionnel de l'OAS. Il n'y a eu jamais, l'Algérie n'a exclu personne de ce pays. Personne. Les gens sont partis d'eux-mêmes. Donc le caractère unitaire de l'appel du 1er novembre est incontestable. Mais quand vous dites au début de cette émission que cet appel n'a pas été suffisamment étudié, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Il n'a pas, c'est-à-dire quand je dis étudier, dans sa profondeur politique, sociale, culturelle. Dans sa profondeur politique, c'est pour pouvoir mieux le cerner, mais également dans les perspectives qu'il ouvre, dans toutes les perspectives politiques, économiques, sociales qu'il ouvre. C'est un condensé de tout un programme. Parce que ce qu'on reprochait, on disait que le Parti communiste, il a un programme, l'UDMA a un programme, le PPA-MTLD n'a pas de programme, il a un objectif, mais pas de programme. En fait, le programme était simple, c'était le programme que seul un front pouvait réaliser. Seul un front, le front de pour ça que
il y a eu élargissement du front de libération, c'est-à-dire c'est devenu un front national de libération, alors qu'il était front pour la libération nationale au départ. C'est devenu un front national. Toutes les tendances politiques ont été sollicitées, ont été invitées au combat. Et même à titre individuel, pour élargir au maximum l'éventail politique qu'il propose. Alors, bien sûr, M. Abdelaziz Medjahed, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important, qui est d'actualité aujourd'hui. On a vu hier le défilé militaire qui était extrêmement grandiose. Bien sûr, l'armée populaire nationale, c'est la digne héritière de l'ALN, l'armée de libération nationale. Aujourd'hui, on a vu ce défilé militaire, c'était une grande fierté. On a vu dans les tribunes un homme de cette guerre de libération nationale qui a la chance encore 70 ans après de vivre ces moments aussi importants comme par exemple le commandant Azdin qui était au niveau des tribunes et qui est resté tout au long de ce défilé debout à applaudir bien sûr cette relève. C'est une fierté, c'est la transmission du combat qu'ils ont réalisé qui se concrétise aujourd'hui, monsieur Medjahed, puisque vous y étiez également, vous avez été parmi les chanceux qui étaient au niveau des tribunes. Officiel. Commandant Azdin voulait remercier Dieu et le peuple et l'armée. De lui avoir permis de vivre ce moment. C'est... Il y a de l'émotion dans vos propos et elle est un peu contagieuse. C'est un grand moment également, Monsieur Amazit Boukhalfa, en attendant que Monsieur Abdelaziz Medjahed se retrouve. Je connais très particulièrement le commandant Azdin, puisque c'est un ami depuis 50 ans et nous travaillons ensemble, nous avons beaucoup fait beaucoup de choses ensemble. Il faut être fier de votre révolution. Personne ne nous a donné cette indépendance, on l'a arrachée et on l'a arrachée au prix du sang. J'essaie de reprendre sa voix. Il a 13 blessures dans son corps, 13 blessures au combat. 13 décorations. Et ce sont autant de décorations. C'est des décorations. Je comprends toute l'émotion de mon général et je suis tout aussi ému quand j'évoque le commandant Siazdine, ce vieil ami, Alors, il a voulu manifester aujourd'hui sa fierté de voir cette Algérie aujourd'hui épanouie. Sa reconnaissance. Il reconnaît à ces jeunes la fidélité. Alors, nous avons en ligne aussi avec nous Monsieur Gamel Abina, qui est analyste politique, et étant avec nous à partir, bien sûr, de Paris. Nous avons vu hier cette déclaration également de l'Élysée par rapport, bien sûr, au grand martyr de la guerre de libération nationale, un des grands fondateurs aussi de ce combat et cette déclaration du 1er novembre. Et bien sûr, il fait partie des six, Monsieur Larbi Ibn Mehdi. Comment vous qualifiez aujourd'hui cette reconnaissance? Est-ce qu'elle vient de crime qui a été, c'est-à-dire l'exécution de Ben Mehdi qui est reconnue aujourd'hui officiellement par Emmanuel Macron? Elle est tardive puisqu'on a toujours dit que c'était un suicide simulé. Et même Osares l'avait reconnu dans ses mémoires. Monsieur Gamel Abina. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Donc, bonne fête de l'indépendance, de la liberté plutôt. Donc oui, on peut dire une chose, c'est que lorsque M. Macron nous fait ses petites concessions assez ridicules aujourd'hui, parce qu'il les fait au fur et à mesure, un coup c'est Ali Boumendjel, après c'est tout un tas de résistants plus ou moins nommés sans être précis, après il y a sur le pont du 17 octobre pour déposer une gerbe de fleurs, aujourd'hui l'armée Ben Mehdi après avoir fait Maurice Audin, donc chaque fois c'est des petits pas assez marginaux qui ne vont pas au fond de la question, à savoir pourquoi la France ne reconnaît pas ses crimes et surtout pourquoi elle ne demande pas pardon officiellement à l'Algérie afin de pouvoir écrire cette histoire, dépasser les passions, dépassionner le débat. Mais simplement, lorsqu'il parle de l'armée Ben Mehdi, il est un petit peu en retard, parce qu'il y a 17 ans, le criminel Osares, donc, reconnaît avoir, non pas exécuté, parce que le terme d'exécution, c'est encore un caractère légal, assassiné, c'est le terme exact, faut-il dire, ils ont assassiné un résistant, assassiné dans des conditions qui sont parfaitement hors la loi, puisqu'il y a quand même du droit en France. Et donc, lorsqu'il reconnaît cela, M. Macron essaie de contrebalancer sa visite assez abyssale
au Maroc, où il va reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contravention avec ce que l'ONU dit, hein, donc il va en contradiction des textes de loi internationaux. Et donc lorsqu'il fait ça, c'est une façon de dire « je suis un peu gentil, écoutez, je fais un effort, je viens vers vous ». Lorsqu'il fait, il convoque une commission d'historiens mixte, soi-disant pour écrire l'histoire, encore une fois, c'est bon, c'était en cours, mais ça n'a pas été très probant. On a lu les textes de Benjamin Stora, c'est pas non plus mirobolant. Et surtout, on ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de motivation, on ne parle pas de nombre de morts, on ne parle pas des massacres de masse, des viols de masse, qui étaient une arme de guerre, faut pas l'oublier. On ne parle pas du génocide culturel, parce que ça, celui-là est acté, indiscutablement, et des fractions génocidaires, dont le célèbre, et tristement célèbre, Bugeaud, était lui revendiqué, il se revendiquait d'une volonté génocidaire, il voulait exterminer la population, ça a été dit par lui et d'autres généraux. Donc tout ça pour dire que, lorsque M. Macron fait cette petite concession, c'est une concession du bout des lèvres, qui ne mange pas de pain, qui ne dérange personne, ni l'extrême droite, ni la droite, puisqu'ils sont tous vent debout contre l'idée qu'il faille reconnaître les crimes, et donc M. Macron ne prend pas de risque, il fait juste semblant d'avancer un petit peu, mais en vérité cet homme est très décevant. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui n'a pas été un enfant de la guerre d'Algérie, il est trop jeune pour ça, ni un petit-fils. Manifestement, sa famille n'a pas été impactée directement, et manifestement, il aurait pu être l'homme du débat, l'homme de la concorde, de la reconnaissance des crimes, de la demande officielle de pardon de l'État français, mais il ne l'a pas fait, il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Pourtant, en 2017, il donnait beaucoup d'espoir, il disait, lorsqu'il est arrivé en visite avant les élections présidentielles en Algérie, il disait, la France a commis un crime contre l'humanité, donc là... Mais il s'est rétracté juste après. Oui, c'est ça. Le caractère génocidaire était largement, dans le crime contre l'humanité, peut-être évoqué. On a quand même entre 4 et 6 millions, c'est l'estimation fourchette haute et basse, d'Algériens qui ont été assassinés en 132 ans. Il faut rappeler que quand ils rentrent à Sisyphe Rouge, les Français vont assassiner, pour repousser sur le haut plateau, près d'un million d'Algériens, un tiers de la population. Il faut quand même penser que c'est des chiffres faramineux en matière de massacre. Et effectivement, ce qui revient en France, eh bien, sous la pression de la droite et de l'extrême droite, puisque c'est elle aujourd'hui qui donne le « là » politique en France, eh bien, M. Macron recule, et recule de façon pitoyable, piteuse. Alors qu'il aurait pu être l'homme, comme Chirac, quand il a reconnu, je le dis, la responsabilité de l'État français, il aurait pu être l'homme, effectivement, qui s'élèverait sur le plan historique, qui aurait été l'homme providentiel de la France, que si vous calmez les tensions entre la France et l'Algérie, sachant la longue histoire commune, qui n'est pas une histoire d'amour et désamour, hein, c'est une histoire de haine et de massacre, faut pas parler d'amour-haine, il n'y a aucun amour là-dedans. Quand on vient vous voler chez vous, vous massacrer, vous tuer, c'est pas l'amour. Eh bien, il y aurait pu y avoir une réconciliation et des convergences, parce qu'on a 6 millions d'Algériens qui vivent en France, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intérêts français en Algérie, parce qu'effectivement, la France aurait pu gagner des points de croissance grâce à l'Algérie, que c'est un moteur économique, on le sait aujourd'hui, et manifestement, Macron n'est pas l'homme de la situation. Il a démontré qu'il en était incapable, il est très versatile, il dit une chose et son contraire le lendemain, il est incapable de tenir une posture, on parle beaucoup du monsieur en même temps, mais moi j'ai envie de dire simplement, c'est même pas monsieur en même temps, c'est monsieur, je suis d'accord avec vous quand je suis en face de vous, et quand je tourne le dos, je suis plus d'accord. Donc on a justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, monsieur Gamel Abina, cette résistance à la restitution aujourd'hui des archives algériennes, malgré toutes les tentatives qui ont été engagées de la part de l'Algérie, est-ce qu'elle est mue par des motivations politiques? Il faut dire les choses comme elles le sont aujourd'hui, purement et clairement, monsieur Gamel Abina. Vous savez, je raconte parfois l'histoire de mon grand-père, le Rafoumou, qui est mort 6 mois avant la fin de la Révolution, assassiné par l'armée française coloniale devant ses enfants. C'est ça, la France coloniale. On assassine des pères, des mères, des enfants, on massacre des centaines de personnes par jour et par semaine. Et donc, lorsque les archives qui existent documentent ce genre de crime, effectivement, ça met la focale sur les ordres, sur les criminels, sur la façon dont ils ont procédé, sur sans doute peut-être des ordres d'extermination, parce qu'on les a pas vus directement. Mais s'il y a un ordre direct d'un responsable d'État politique, ça signifie qu'il y a bien une démarche génocidaire. Eh bien, ils ne les donnent pas, mais ils ne donnent pas ça. Il n'y a pas que ça qu'ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas, évidemment, ce qu'ils ont volé en Algérie, les 5 milliards d'or. Ils ne donnent pas non plus la dette algérienne par rapport au blé, parce qu'ils avaient de l'argent en Algérie. Ils ne donnent pas non plus l'épée et le bonus des merdes de Kradel. Ils ne donnent pas les canons qu'ils ont volés, qui sont fièrement exposés au musée des armées à Paris, que j'ai vu, hein, avec les signatures algériennes. Et ils font croire, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière sur votre débat, ils vous font croire en plus, et c'est là où on voit vraiment le colonialiste barbare qui fait croire qu'il arrive sur une terre sans peuple et un peuple sans terre, ça vous rappelle quelque chose. Ils vous font croire qu'en plus l'Algérie n'existait pas. Et il se trouve que non seulement l'Algérie existait, puisque rien que le mot Algérie qui commence par AL est un mot arabe, El Jazeera, d'accord? C'est une traduction, une déformation après espagnole et française, mais ça vient de l'arabe. Et donc, ce territoire a toujours existé, pas sous forme d'État jacobin, mais combien d'États jacobins existaient il y a un siècle? Vous le rappelez, très peu. Même pas l'Italie, même pas l'Allemagne, hein, il faut s'en rappeler. Eh bien, les Français voudraient faire croire qu'il n'a pas existé parce qu'ils voudraient faire croire qu'il n'y a pas de civilisation, pas de culture, pas de peuple, pas de sentiment d'appartenance nationale. Le problème, c'est que la résistance immédiate... Mais est-ce que ça veut dire qu'on est en train de faire du surplace par rapport à la restitution des archives? Eh bien, je vous
vous dis sincèrement, quand on nie l'existence d'un peuple... Rapidement sur la question, M. Gamel Abouina. Oui, très rapidement. Quand on nie l'existence d'un peuple, on nie ses droits, simplement. Et donc lorsqu'on refuse de rendre les archives, on refuse de s'incriminer, parce que les archives sont incriminantes. Et surtout, lorsqu'on refuse de rendre de plein droit à ce qui appartient à l'Algérie, eh bien on se comporte comme... Ça a toujours été la colonisation, un peuple qui, enfin pas un peuple, des dirigeants qui sont des voleurs, parce que le peuple, il faut le distinguer des dirigeants qui sont des voleurs. Donc effectivement, on tourne le dos à l'histoire, on tourne le dos à la réconciliation, et surtout, on accélère le processus de haine. Et j'ai envie de finir sur un dernier mot qui est quand même très grave, hein. Il faut quand même attirer l'attention sur cela. Est-ce qu'on peut se rendre compte à quel point c'est une bassesse, c'est une barbarie que de penser que les Français ont conservé les crânes des résistants comme des trophées, comme s'ils étaient au Moyen-Âge? Il faut se poser la question de savoir c'est vrai que c'est une horreur. Pour ne même pas dire ça. C'est une horreur, on est d'accord. Vous imaginez, ils gardent ça comme si c'était un trophée de guerre. Il faut peut-être commencer à se poser la question sur le caractère civilisé de l'homme qui vous parle. Alors, M. Amazit Boukhalfa, par rapport à ce que déclarait à l'instant M. Gamel Abouina, qui était en ligne avec nous à partir de Paris, justement, cette restitution des archives aujourd'hui, c'est un droit reconnu au niveau même des instances internationales. Un peuple doit disposer de son histoire et de ses archives. Est-ce que, par exemple, l'Algérie pourrait entreprendre une action universelle au niveau des Nations Unies pour revendiquer la restitution de ses archives? Cela existe dans les textes des Nations Unies. La restitution des archives fait partie d'un comment dirais-je, d'un package qui doit d'abord et avant tout redéfinir ce qu'était le colonialisme. Dans sa dimension barbare, dans sa dimension aussi, dans sa diversité. Parce que ce que cache ce mot générique, en ce qui concerne très particulièrement notre pays, c'est que le projet était un projet abominable d'extermination et de remplacement d'un peuple. C'est l'idée qui est venue. C'est ce qui existe actuellement au niveau des réserves. Bon, c'est ce qui devait se produire. Exactement. Chez... Parce que même que sur les chiffres, sur les morts, est contesté aujourd'hui. Même si, au niveau... à 62, il y a eu pas moins de 6, voire 7 millions d'Algériens qui ont été exterminés. Même si au niveau des archives officielles, c'est-à-dire des déclarations, que ce soit du Parlement, des ministres et des gouvernements, cela existait en sous-entendu. Il y a des cercles spécialisés, des cercles colonialistes, colonisateurs, actifs, qui ont aidé au peuplement et au changement de population, puisqu'on a été, chercher il suffisait d'être chrétien, européen, blanc, pour avoir droit à des terres ici. Des gens, il y a aussi des choses qu'on ignore, c'est que des terres ont été distribuées à ces gens. Ces gens ont utilisé, ont vendu ces terres et ensuite sont retournés d'où ils venaient en Europe. Mais donc les Algériens ont été déportés vers d'autres pays également. Il faut qu'on s'entende, que les Français viennent s'asseoir et discuter. Mais cette volonté du colonialisme, ce n'est pas un combat. Et l'émir Abdelkader le disait dans sa lettre à la reine de France, à l'épouse du roi de France. Il lui disait, pourquoi envoyez-vous vos enfants pour tuer les miens, pour tuer nos enfants, alors qu'on aurait pu faire des choses ensemble, construire des choses ensemble? Et il disait très, en substance, je dis bien en substance, qu'il ne combattait pas les Français parce que c'était des Français, mais parce que c'était des colonisateurs, des gens qui viennent m'enlever mon pays, ma terre. Le colonialisme est une forme extrême du racisme et de l'esclavagisme. Parce que non seulement on prend les forces, mais on prend la terre, les richesses et les hommes. Monsieur Abdelaziz Medjahed, par rapport à ce que déclarait à l'instant aussi bien Monsieur Abouina que Amazit Boukhalfa, par rapport à ce que c'est de notre faute. C'est de notre faute. Les faibles, la faiblesse, elle entraîne toujours ces situations-là. On a étudié Victor Hugo, mais on n'a jamais bien étudié Victor Hugo. Victor Hugo disait: Dieu a offert l'Afrique à l'Europe. Transformez vos prolétaires en propriétaires. Vous l'avez étudié ça? Oui, oui. C'est très juste. On ne les a pas étudiés.
Il faut étudier notre histoire, la réétudier à nouveau. Allah yarhamou, Allah yarhamou, Allah yarhamou, Allah yarhamou, Allah yarhamou, Allah yarhamou, Mohamed Sherif Sahli disait décoloniser l'histoire. Et pour décoloniser l'histoire, il faut décoloniser les mentalités. Tout à l'heure, Mazit parlait de berbérisme et vous parlez de berbérisme. C'est quoi le berbérisme? C'est de la bêtise qui a été utilisée par le colonialisme pour nous diviser. Le problème du berbérisme qui est posé, c'est un problème de démocratie et de dictature. Quelqu'un voulait avoir le monopole du parti. Exactement. Et il a écarté aussi simplement que ça. Le terme a été, c'était un journal, c'est l'Écho d'Alger qui a sorti le terme de berbérisme. C'est une question. D'ailleurs, la preuve, celui qui a manipulé et utilisé ce terme, on connaît sa fin contre la révolution. Alors, il a commencé par le berbérisme, diviser le parti pour aller contre l'orientation du parti. Alors, c'est une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de religion, pas de religion. Je rappelle qu'on a eu des ministres chrétiens, on a eu des responsables à un très haut niveau chrétien, juif. Le problème de la religion en Algérie ne se pose pas. Les juifs, quand ils ont été expulsés d'Espagne, où ils sont partis? Ils ont trouvé refuge chez nous. Et c'est les Algériens qui les ont protégés durant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, je voudrais revenir avec un aspect qui est très important par rapport à cette relève aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes toujours dans l'esprit de la déclaration ou de l'appel du 1er novembre 1954. C'est-à-dire, on a puisé aujourd'hui notre doctrine de la déclaration du 1er novembre 1954, puisque nous avons vu que la Constitution, dans bien sûr son préambule, on reprend pratiquement mot à mot certains aspects de l'appel du 1er novembre. L'État social, ça c'est important également. C'est-à-dire, cela ne changera pas, puisque même le président l'a réitéré, nous demeurerons un État démocratique et social. Démocratique et social. Moi, je me rappelle des discours du président Boumediene Laïhamou qui parlait de la révolution agraire en disant qu'il ne, ce ne serait que justice que de remercier, c'est le minimum qu'on puisse faire pour les paysans, pour les fellahin, pour les paysans sans terre qui ont été privés de leur terre et ensuite qui ont été lésés parce que l'Algérie ne leur a rien donné encore. Et ce qui s'est passé dernièrement avec la sortie des zones d'ombre qui a été décidée par le président de la République aussi, c'est-à-dire ces zones d'ombre, ce n'est que justice. C'est rendre à ce peuple, ce peuple citoyen, constitué de citoyens, lui rendre ce qu'il a donné. N'oublions jamais une chose, c'est que la LN a affaibli, c'est vrai, a cassé l'armée française. Elle a cassé l'armée française pour en faire une armée de putschistes. C'est la LN qui l'a cassé. Et ce qui est très important, quand la LN a été laminé par le plan Châle, les opérations militaires terribles, qui a pris la relève? C'est 11 décembre 60, c'est le 17 octobre 61, c'est le 5 juillet 1961, c'est le peuple descendu dans la rue pour la première fois. Les grands, après la grève des 8 jours de 57, le peuple descend dans la rue. C'est pour dire à la LN, pour dire au FLN à l'époque, nous sommes encore là, n'ayez crainte. Et De Gaulle, c'est là que De Gaulle a compris qu'il n'y avait plus rien à faire pour l'Algérie française, qu'elle ne serait plus jamais française. Là, pourtant, il a dépensé beaucoup de moyens et beaucoup d'argent pour redorer le blason de son armée. D'ailleurs, on dit bien qu'on a gardé l'Algérie et on a libéré les autres États. Et oui. Mais c'est tout à fait normal. Parce que l'Algérie, c'était une véritable révolution. Alors, monsieur Abdelaziz Medjed, vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez parlé de diviser pour régner. Il faut renforcer le front interne aujourd'hui. On n'a pas le choix. 1er novembre 54. On doit comprendre l'autre, mais on doit se comprendre nous-mêmes. Et discuter avec nous-mêmes. Corriger nos erreurs, chercher nos faiblesses. Il faudrait qu'on se regarde dans une grande glace
Et comme on fait tous les matins avant de quitter la maison, on se corrige, on s'arrange. Moi, pour venir appuyer ce que dit M. Amazigh, le programme L'étoile nord-africaine. La révolution agraire était inscrite comme forme de justice. Pourquoi les terres, tous les résistants, tous qui ont résisté à l'occupant, qu'est-ce qu'on a saisi leurs terres et on les a exilés. Ce qui fait rendre les terres à leurs travailleurs, à leurs propriétaires authentiques. Ça, c'est. Vous avez parlé de l'État social. Madame, c'est le peuple qui a créé cet État. Le peuple a extirpé l'État algérien des fins fonds de l'histoire. Il a restauré son État et qui l'a restauré? C'est pas quelqu'un, c'est ni un parti, ni une organisation. C'est le peuple qui a fait ça. Et c'est pour ça qu'en 62, vous avez un slogan qui est merveilleux, un seul héros, le peuple. Et ça confirme ce que disait Ziraud Youssef, c'est un grand peuple, et c'est un grand peuple à travers son histoire, et il faut toujours ne le jamais oublier. Mais lui-même ne doit pas l'oublier. Et revenir à l'appel de la lettre Ta'amar Aimèche, l'heure de l'élite, l'heure des. Il faut lire cet appel. Il appelle à que chacun occupe sa place et accomplisse sa mission. Et d'ailleurs, France Fanon, ah oui, c'est ça. L'esprit, c'est qui m'a d'ailleurs France Fanon s'est inspiré de l'appel d'Ammar Aimèche en parlant du devoir. Chaque génération doit affronter son histoire et accomplir son devoir, soit l'accomplir, soit la trahir. Alors, monsieur, nous avons en ligne toujours avec nous l'historien et bien sûr l'universitaire Mohamed Delcourceau. Moi, je voudrais revenir avec vous sur une question particulière et bien précise, mais très rapidement. Est-ce qu'il y a une volonté politique de l'autre côté, c'est-à-dire de la France, de nous restituer nos archives qui sont aujourd'hui notre droit, notre legs? Est-ce qu'il y a cette volonté politique, monsieur Mohamed Delcourceau? Volonté politique, et volonté politique d'abord, tout dépend de nous, tout dépend de la partie algérienne, de l'État algérien, de l'élite algérienne, de l'universitaire algérienne. C'est un premier élément. Le deuxième élément, cette question des archives, elle a été posée dès les années 70, et puis il faut rappeler que dans les années 80, 81, 82, si ma mémoire est bonne, il y a eu une commission qui a été constituée des archivistes algériennes. Je voudrais nommer Abdelkrim Bejaj Allah Rahmo, je voudrais nommer Haj Omar Hachi, je voudrais nommer notre ami Amé Fouad Soufi, qui ont fait partie d'une commission qui est partie parlementaire avec la partie française à Aix-en-Provence, il était question effectivement d'aboutir à quelque chose. Sauf qu'il y a eu les élections entre-temps françaises de 1961, et là il y a eu le holà qui a été apporté par Giscard d'Estaing, hein, qui a mis fin finalement à cette négociation. Maintenant, pour reprendre un petit peu ma casquette, excusez-moi, j'ai ma voix qui me trahit, hein. Pour reprendre un petit peu ma casquette de membre de la commission d'histoire, la commission histoire et mémoire, effectivement, cette question a été posée. À mon sens, la dernière réunion qui s'est tenue à Alger devait aboutir à quelque chose de palpable. Sauf que le coup de couteau dans le dos qui nous a été donné, qui a été donné au président de la République par Macron, a fait que bon, tout est à l'arrêt, pour ne pas dire tout est tombé à l'eau.
Alors, bien sûr, Monsieur Gamel Abina, hein, pour ne pas écorcher votre nom, puisque vous tenez beaucoup à ce Gamel qui est inspiré un peu de Gamel Abdel Nasser, je voudrais revenir avec vous. Maintenant, nous avons bien sûr une diaspora qui est assez importante au niveau de la France. Est-ce qu'elle peut exercer des pressions pour nous restituer notre histoire, nos archives? Alors, ce sera compliqué parce même si aujourd'hui vous avez cette déclaration de Monsieur Mohamed El Corso qui dit que ça ne dépend aussi de nous. Oui, on peut essayer de faire. On a des groupes de personnes qui sont constituées. Par exemple, je soutiens l'association qui s'appelle le Cercle Émirat de Khader qui fait un travail aussi dans ce sens-là. Donc, c'est plus de 300 élus franco-algériens qui voudraient créer les conditions d'un rapprochement et surtout de reconnaissance des crimes. Mais la problématique principale, c'est qu'on n'a pas vraiment d'organisation en France qui fédère les associations algériennes. Il est difficile parce qu'elle a été atomisée de pouvoir créer un mouvement collectif qui ferait pression, parce qu'on est quand même 6 millions, mais c'est un peu 6 millions en dispersé. Et le problème, c'est que l'État est parfaitement au courant de cela, puisqu'il en joue, et qu'effectivement, pour obtenir des résultats, il faudrait dépasser ces clivages, ces divisions qui sont beaucoup alimentées. Hein. La question, par exemple, berbère a été beaucoup alimentée en France, que le fait berbériste a été créé en France de toutes pièces. Hein. Et surtout, la question islam, pas islam, laïc, pas laïc, enfin, il y a tout un tas de divisions comme ça, même jusqu'aux divisions géographiques, hein, des Parisiens aux Marseillais. Donc vraiment, on a du mal à faire pression et on a très... Oui, mais monsieur Abina, est-ce qu'il y a aussi cette mobilisation de la diaspora? Rapidement sur la question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, très, très rapidement. On s'est mobilisé sur le 17 octobre, par exemple. Ça a duré 30 ans, on a obtenu des résultats quand même assez conséquents. Parce qu'on s'est mobilisé en tant que militants, et les militants associatifs font le travail. Mais c'est vrai que si on s'en tient simplement à l'idée qu'il faille faire pression de façon démocratique sur un gouvernement qui n'a pas envie de reconnaître ses crimes, avec une droite et une extrême droite très puissante, c'est compliqué de contrebalancer tout cela. Donc je dirais qu'on fait ce travail, on va certainement peut-être un jour aboutir, mais une chose est certaine, c'est que c'est un travail qui doit se faire en collégialité avec les Algériens, c'est-à-dire que ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Alors merci Monsieur Gamel Abina, Monsieur Amazigh Boukhalfa, dernière question et très rapidement sur celle-ci. Est-ce qu'on doit compter que sur nous-mêmes, écrire notre histoire? Je crois qu'on ne peut pas. Monsieur Abdelaziz Bediaïd est d'accord, entièrement d'accord. Sur quelqu'un d'autre. On a encore. Tout à fait normal. Les Moudjahidines qui sont encore en vie, qui peuvent aussi faire un effort, écrire ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que quand on parle. Recueillir leurs témoignages, puisqu'on a aussi des témoignages de Moudjahidines qui sont archivés au niveau de la télévision et au niveau de la radio nationale également. Je voudrais insister sur une chose. L'histoire de l'Algérie est un tout. Elle a commencé il y a 2 400 000 ans. Elle n'a pas commencé seulement en 1832. Partie, même si c'est la plus glorieuse dans notre mémoire, il ne faut pas qu'elle cannibalise le reste de l'histoire. L'histoire est un tout. Nous sommes une grande nation. Comme un tout. Et passé et présent. C'est un peuple qui a fabriqué son histoire. Oui. J'aime bien cette phrase de Reda Malek. L'Algérie est une autogenèse. Voilà. Alors la dernière parole reviendra à M. Abdelaziz Mejahed. Vous étiez extrêmement ému tout à l'heure. Vous êtes fier aujourd'hui de ce que on réalise, de ce que nous sommes en train de faire. Et on pourrait faire encore davantage. Eh ben, les générations futures et présentes. Vous êtes en accord total avec un Moujahed, la Yarhamou, qui disait que demain reste toujours à faire. Et sur ce, bien sûr, prend fin cette émission et ce débat. On aurait pu, bien sûr, parler de l'appel du 1er novembre pendant des heures et des heures. Et on aurait pu aussi discuter de d'autres aspects. Malheureusement, le temps ne le permet pas. Alors, je remercie, bien sûr, l'ensemble des invités qui étaient présents avec nous. Nous avons, bien sûr, au niveau du plateau, le général-major à la retraite, directeur général de l'INESG, l'Institut national des études stratégiques globales, M. Abdelaziz Mejahed. Merci beaucoup. Nous avions en ligne avec nous M. Mohamed El Corso, historien et universitaire, M. Amazigh Boukhalfa, journaliste et chercheur en histoire, et à partir de Paris également, Monsieur Gamel Abina, analyste politique. Messieurs, merci. Et à la semaine prochaine, à samedi prochain. Je vous laisse.